Ce vendredi 18 août, Nolwenn Leroy traversait ses chemins de traverse aux côtés d'Agathe Le Caron sur France 3. À cette occasion, la chanteuse s'est livrée comme rarement, que ce soit sur son premier amoureux ou sa plus grande peur. Après avoir fait traverser les Alpilles à Virginie et Pira, Agathe Le Caron a emmené Nolwenn Leroy dans sa très chère Bretagne afin qu'elle retrace ses chemins de traverse pour France 3 ce vendredi 18 août. L'occasion pour la discrète chanteuse de se livrer comme rarement auparavant. Tout est parti de l'envie de l'animatrice de faire parler l'enfant que Nolwenn Leroy était. Alors que les deux femmes étaient dans une grotte, une photo d'enfance de la coach de The Voice Kids est apparue sur les pierres. Et celle-ci s'est animée, lui donnant voix. Une manière détournée pour Agathe Le Caron de poser des questions intimes à son invité par le biais de ce plongeon en arrière. Ainsi, les téléspectateurs ont pu voir la jeune Nolwenn demander à l'actuelle Nolwenn : « Ma copine a déjà fait un bisou à un garçon et moi, pas encore. À quel âge, ça va m'arriver ? Ça devait être en troisième, assez tard en fait », a rétorqué la principale intéressée. Et de préciser, il s'appelait Clément mais ce n'était pas celui d'aujourd'hui. Depuis 15 ans, Nolwenn Leroy file en effet le parfait amour avec l'ancien tennisman Arnaud Clément. De son premier amoureux, elle n'a donc gardé que le prénom devenu patronyme. Il n'y a pas de hasard, a conclu Agathe Le Caron. Nolwenn Leroy en a ensuite profité pour évoquer Aurélien, un garçon dont elle était amoureuse à l'école. S'il regarde, il va se dire, ah ouais? Parce qu'il ne le savait pas, s'est-elle amusée. Et de révéler, c'était à Guingamp, à l'école du château, j'avais un peu le béguin pour Aurélien. Cette terrible peur que Nolwenn Leroy a depuis l'enfance et l'image de Nolwenn enfant de reprendre, à mon âge, il y a plein de trucs qui me font peur. De quoi j'ai le plus peur aujourd'hui? De perdre les gens que j'aime. C'était ma peur, enfant, de perdre mes parents. Je me rappellerai toujours le moment où j'ai compris qu'ils n'étaient pas éternels et qu'un jour, on se retrouve seul. Et aujourd'hui, c'est toujours la même peur. Et je pense que c'est naturel, il faut juste réussir à canaliser, à dompter ces peurs-là, a confié la maman d'un petit marin de 6 ans. De touchantes confidences.